participé pour gagner, ça c'est sûr, j'ai mis tout mon cœur, tout mon potentiel, toute mon énergie. Et puis après, bon, ben, j'ai attendu et je ne voulais pas être déçue. Et quand j'ai lu mon nom, et en plus deux fois, j'y croyais pas et j'ai fait un tirage géant. J'étais tellement émue, j'ai dit oh là là, c'est pas possible. Qui prend réalité parce que j'ai toujours eu envie de créer mon parfum, de créer. En plus, j'adore les huiles de monoï. Je m'en mets du matin au soir, surtout le col dans les cheveux. J'ai une conviction absolument totale des bienfaits du coconut et de l'huile traditionnelle. C'est pour ça que j'ai choisi l'huile traditionnelle. Et en ce qui concerne les parfums, les huiles essentielles qu'il y a dedans, c'est aussi c'est Tahiti et ses îles. Donc j'étais très motivée. Et quand j'ai découvert Cosmetic Academy par hasard sur Facebook, c'est vrai. J'ai commencé à chercher, j'ai découvert ce qui était, et puis j'ai découvert donc Olivier Teboul, et puis le fait du Lab TV qui est extraordinaire, et donc de la suivre. Web TV, hein, la web, voilà, c'est ça. Donc au début je savais pas trop, et puis après j'ai vu, puis ça m'a plu, puis on a commencé à discuter, puis ça a germé, hein, comme la petite graine de coconut. Et puis c'était impossible, après ça me hantait, quoi. J'avais vraiment envie de participer. En plus, ça faisait 2 ans que je n'étais pas revenue ici à Tahiti. J'avais envie de revoir ces couleurs, de revoir, en fait, de me ressourcer. Et de venir ici et de le faire, c'était vraiment comme venir planter une petite graine. Et j'avais envie de le faire, voilà. Et donc, ma motivation a grandi. Et bon, ben, comme toute chose et toute motivation, quand quelqu'un décide de faire quelque chose, il part dans cette direction, il met tout dans son passé. C'est Feti Aura, donc Feti Aura, les étoiles, le rouge pétillant, enfin bon, et puis qui peut être aussi dans la lancée des huiles que j'ai faites parce qu'elles sont toutes dynamisantes. Et donc, il y a du coconut, de la vanille, du rhum et aussi du sorbet citron. Et quand on mélange tout ça ensemble, ça fait comme un smoothie. Et puis j'ai rajouté pour le rouge et l'éclatant, et comme les étoiles, le feu d'artifice dans le ciel, de la grenadine sur le dessus. Donc quand ça coule, même quand même qu'on fasse la préparation avec la petite cerise, le petit ananas, les pailles, et qu'on arrive avec le plateau près du client, donc ça a déjà un petit peu commencé à couler, et ça fait vraiment le feu d'artifice, les petits cristaux comme ça, et voilà.